Martin de Sherbrooke. Merci, M. le Président. Alors que cette Chambre a adopté à l'unanimité ma motion concernant les aéroports non désignés le 29 avril dernier, le gouvernement reste résolument passif et silencieux dans ce dossier. Cette motion porte sur l'instauration, dans les plus brefs délais, d'un mécanisme pour effectuer des contrôles de sûreté dans les aéroports non désignés, comme celui de Sherbrooke. Les Sherbrookeois sont donc en droit d'avoir un aéroport qui participe à la vitalité économique de notre région. Ils sont donc aussi en droit d'avoir des réponses de la ministre des Transports. Oui, comment se fait-il que 5 semaines après l'adoption de ma motion, rien n'ait été annoncé? Que fait la ministre des Transports dans ce dossier? Mr. Speaker, we've been working on this issue far longer than the member put forth his motion in the House of Commons. And in fact, that's why we're so far along in the curve and having these discussions on a one-to-one basis with airports that are interested in taking the opportunity to have a pilot project with respect to being able to pay for CATSA services. Mr. Speaker, we'll update the airports as we move along, but this is really for the matter for Transport Canada officials to discuss with the local area and not a matter for political interference. Let's